Claudine Afiavi-Prudencio n'est plus la présidente du parti UDBN. Elle a passé le flambeau à Madame Sylvie Dejacus, la désormais présidente du parti. Cette décision intervient suite à des réunions à huis clos tenues au lendemain du congrès des 5 et 6 juin 2021 à Cotonou. Madame Claudine Prudencio donne les raisons justifiant son retrait de la tête du parti. Cette décision de quitter mes fonctions de présidente de l'UDBN est liée à deux raisons fondamentales. La première est mue par ma volonté de ne pas demeurer présidente à vie de notre parti. C'est un principe propre à ma personne. L'expérience démocratique que nous vivons depuis 1990 dans notre pays devrait avant tout être vécue au sein de nos partis politiques. La culture de l'alternance et de la gestion concertée, pilier de toute démocratie, manque encore à nos formations politiques. C'est une nouvelle approche que j'ai décidé d'expérimenter avec vous. Et je l'assume pleinement. La deuxième raison de mon passage de témoin renvoie au respect de l'idéologie de l'UDBN. Notre parti, depuis sa création, a fait l'option de révéler les femmes et les jeunes dynamiques, combatifs, en s'appuyant sur les expériences des aînés. Nous en avons, et vous le savez, c'est un principe cardinal qui a guidé mon action durant toutes ces années de gouvernance à la tête du parti. Devant l'assistance constituée de plusieurs cadres, personnalités et de ses militants, elle rassure de sa proximité. Rassurez-vous, je ne quitte pas l'UDBN. Je ne l'abandonne pas non plus. Je me retire pour une fonction tout autant honorifique au sein de notre parti commun. Elle appelle à la mobilisation générale pour la perpétuation des idéaux du parti. La présidente entrante, Madame Sylvie Dejacus, se réjouit et au nom de la nouvelle équipe dirigeante, promet de conduire à bien la mission du parti pour la réalisation de grands exploits. Elle se veut une présidente qui réunira et renforcera la capacité de l'équipe pour une gestion participative. Que pourra-t-on faire sans cette grande dame de rigueur et de méthode, de cœur et de vision? Rien. Nous comptons sur votre assistance, Madame la Présidente, votre conseil et astuces pour mieux aller de l'avant. Vous constituez notre bréviaire, notre encyclopédie à consulter pour nous assurer notre marche, dirais-je, notre démarche. Ne pas le reconnaître et le faire, nous risquerons de tomber dans des mines qui nous seront fatales. Madame la Présidente, avec la permission, la confirmation et l'onction de vos militants, nous voudrions vous promettre que la maison sera gardée. Nous voudrions vous promettre que la fondation posée, les murs élevés et le toit par vous posés ne seront pas déconstruits. Le retrait de Claudine Prudencio de la tête de l'UDBN est une décision qui vient pour montrer le chemin à suivre aux leaders politiques qui pense à s'éterniser dans l'arène politique. Elle promet que la démocratie restera au cœur de tout débat. En tant que présidente d'honneur du parti, elle ne manquera pas d'apporter sa contribution d'expérimenter.